Bienvenue à cette nouvelle session euh, TV ce soir euh, Web, donc euh, avec un sujet euh, d'analgésie périopératoire. Ce soir, nous avons euh, Fabrice Ferry de Toulouse qui va aborder un sujet euh, important, puisque c'est un sujet qui est de, de pratique quotidienne euh, le sulfate de magnésium en analgésie périopératoire. Le sulfate de magnésium est apparu depuis longtemps dans nos pratiques, effectivement, bah, pour des raisons plutôt d'indication materno-fetale, neurochirurgicale ou de, de réanimation. Et depuis longtemps et depuis pas mal de temps, maintenant, on l'a en analgésie péripératoire avec une utilisation euh, largement nulle dans beaucoup d'endroits. Il était intéressant de faire le point sur sa, sur sa situation de la, du substrat pharmacologique à la réalité. Donc, Fabrice Ferré, Toulouse, et je suis très enchanté de le, de le trouver ce soir avec nous, va donc aborder ça pour une petite demi-heure. Les questions, je les récupère, bien sûr, euh, via la connexion euh, SPAR que j'ai en direct et je, les, je ne manquerai pas, bien évidemment, de solliciter Fabrice Enfin euh, de son intervention. Voilà, je te laisse Fabrice pour euh, une petite euh, demi-heure avec nous sur le sulfate magnésium en pré-répiratoire. Pré merci infiniment Christophe. Franchement, merci pour cette invitation. Alors c'est vrai que cette TV Sphare, euh, en fait, elle se transforme en webinaire. Euh, pour autant, je suis sûr que les interactions avec nos auditeurs, avec les internautes seront au rendez-vous. Et euh, surtout, euh, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions. Je, je me ferai un plaisir, enfin, on se fera un plaisir avec Christophe euh, euh, d'y répondre, en tout cas d'essayer d'y répondre. Donc nous allons voir l'utilisation du sulfate de magnésium, en particulier dans l'analgésie périopératoire, puisque c'est le sujet du jour. Donc, quelques mots de physiologie et de pharmacologie avant de commencer. En fait, le magnésium, c'est le deuxième euh, cation intracellulaire le plus euh, communément observé donc dans le cytoplasme des cellules, après le potassium. C'est un cofacteur important, puisqu'il est engagé dans plus de 300 euh, réactions enzymatiques. Il se trouve principalement stocké dans le tissu osseux et dans le tissu musculaire. Et finalement, le magnésium cirique, le magnésium plasmatique ne représente que 0,3% de la quantité de sodium total de l'organisme. Et on peut facilement, vous l'avez déjà sûrement fait, mesurer la magnésémie, dont les normes se situent autour de 0,8 à 0,9 millimoles par litre. Euh, on estime que la quantité euh, d'éléments magnésium, magnésium nécessaires en moyenne par jour est d'environ 200 à 250 mg. Il, a, il est intéressant de savoir que lorsque vous administrez 1 g de sulfate de magnésium, c'est comme si vous administriez 100 mg d'éléments magnésium. Autrement dit, avec 2 g de sulfate de magnésium par voie intraveineuse, eh bien, vous euh, apportez euh, la quantité journalière nécessaire, notamment au fonctionnement enzymatique. Et euh, puisque près de 12% des patients hospitalisés sont concernés par un déficit en magnésium, et bien il est intéressant de s'intéresser aux causes de ces déficits. Et euh, clairement, euh, ces causes peuvent être extrinsèques lorsqu'on diminue les apports. Hein, le, sodium se trouve, le magnésium pardon, se trouve principalement dans les, euh, dans les céréales. Euh, on peut avoir des déficits en magnésium en cas de mauvaise absorption intestinale, euh, en cas de perte digestive, à l'occasion notamment de diarrhées et de vomissements. Mais clairement, les pertes les plus fréquentes sont les pertes rénales, représentées surtout par la prise de médicaments, la prise de médicaments diurétiques et la prise d'enzymes de conversion de l'angiotensine ou d'aminosie, Donc finalement, des causes iatrogènes à la perte rénale de magnésium et aux hypomagnésémies qui sont encore une fois assez fréquemment observées en milieu hospitalier et jusqu'à même 65% des patients hospitalisés en réanimation alors le, on, il s'agit quand même aujourd'hui de parler de, de douleur et clairement le magnésium a des effets antinociceptiques puisqu'il permettrait sur la base d'études précliniques animales de diminuer la douleur neuropathique euh, de potentialiser l'effet antinociceptif euh, des opiacés et de diminuer euh, l'accoutumance la, tachyphyla la tachyphylaxie à la morphine donc finalement permettre euh, une épargne morphinique et c'est bien cela dont il s'agit. Euh, les mécanismes euh, impliqués, expliquant cette, cette épargne morphinique, seraient tout simplement liés euh, au fait que le, le magnésium permet de directement bloquer euh, les canaux calciques et de bloquer l'influx intracellulaire euh, de calcium, mais également par un effet euh, clairement décrit dans la littérature d'antagonistes de, euh, des récepteurs NMDA, euh, voltage dépendant et euh, non compétitif. Qui permet d'inhiber la sensibilisation centrale après un stimulus nociceptif. Et puisqu'on parle de sensibilisation centrale, il faut bien comprendre que c'est un mécanisme qui est directement impliqué dans euh, la douleur inflammatoire et notamment sa chronicisation. Ici, nous nous situons au niveau de la corne postérieure de la moelle. Vous avez euh, représenté schématiquement la terminaison présynaptique de la fibre nociceptive de type C. Euh, qui est le premier neurone, et vous avez ici le deuxième neurone. Donc, il y a tout d'abord une phase précoce, hein, sous l'effet d'une inflammation tissulaire, vous allez avoir un relargage de neurotransmetteurs, de glutamate, ce sont ces vésicules blanches, et de substance P, ce sont ces vésicules noires, qui vont activer respectivement les récepteurs NMDA et les récepteurs NK1. Euh, lorsque cette phase euh, précoce... Euh, est suivi euh, d'une phase, phase de sensibilisation centrale, c'est-à-dire que lorsque l'inflammation tissulaire perdure, eh bien en fait, il va y avoir un influx intracellulaire de calcium qui va provoquer un relargage massif, cette fois-ci, de glutamate et de substance P, provoquant ainsi, euh, par l'intermédiaire d'une phosphorylation, phosphorylation des récepteurs NMDA, une augmentation importante du calcium intracellulaire. Et euh, lorsque cette inflammation dure, eh bien il y a, on peut même observer des modifications phénotypiques avec l'arrivée de nouveaux nouveau neurotransmetteurs et l'expression de nouveaux récepteurs sur, euh, la, paroi, sur le, la paroi cellulaire du deuxième neurone, entraînant une augmentation importante de ce calcium intracellulaire et donc de la propagation euh, du message nociceptif. Et c'est véritablement euh, l'effet de blocage de l'influx intracellulaire de calcium et D'antagonisation non compétitive des récepteurs NMDA qui permet de diminuer cette sensibilisation centrale et donc de provoquer les effets antalgiques euh, du magnésium. Et il est assez logique d'observer sur un modèle animal qu'il y a des, euh, des, un effet synergique lorsqu'on coadministre euh, la kétamine euh, au sulfate de magnésium, donc deux médicaments. Aux effets euh, anti-NMDA. Et lorsqu'en effet, on plonge euh, la queue de rat dans de l'eau chaude à 55 degrés, eh bien le délai de latence pour retirer cette queue, euh, l'extrémité de cette queue de, de, de l'eau chaude est allongé par la coadministration de kétamine et de sulfate de magnésium, alors que ce n'est pas le cas lorsque les molécules sont administrées de façon, euh, de façon isolée. Donc, un effet synergique, encore une fois, de ces deux euh, médicaments. Aux effets euh, anti-NMDA. Le problème, finalement, c'est que euh, le magnésium est un supercation et qu'il a un certain don d'ubiquité, euh, un certain talent. Et c'est vrai que nous l'utilisons en anesthésie réanimation, notamment pour prévenir euh, les crises d'éclampsie, donc en prévention finalement primaire de pré-éclampsie sévère ou en prévention secondaire. Mais nous l'utilisons également pour, euh, à visée anti-arythmique dans les torsades de pointe ou alors pour ses effets bronchodilatateurs dans l'asthme aigu grave. Et donc le problème, c'est que tous ces effets pléiomorphes viennent probablement brouiller le message du sulfate de magnésium, en tout cas sur sa douleur. Et euh, on, avait du, on a encore du mal parfois à considérer cette molécule parce qu'elle euh, elle a, elle a tellement, tellement d'effets positifs qu'on a du mal à, à, à croire et, et, et à lire la littérature concernant ces effets antalgiques. Cependant, le sulfate de magnésium n'est pas un médicament de l'anesthésie. J'aime assez cette étude qui date euh, des années 60, qui est en fait une analyse qualitative de deux cas, donc deux patients, euh, deux volontaires sains plutôt, qui ont reçu par voie intraveineuse du sulfate de magnésium, permettant d'obtenir des concentrations euh, sériques particulièrement élevées, à, à plus de dix fois la normale. Et en fait, ces, ces administrations de sulfate de magnésium ont provoqué chez ces volontaires sains, une paralysie profonde des muscles squelettiques, une, euh, un ralentissement de la conduction atrioventriculaire, alors même que les sujets restaient conscients. Et lorsqu'on les a soumis à un stimulus douloureux, eh bien, ils ont intensément ressenti cette douleur. Euh, les données électroencéphalographiques ont révélé qu'il y avait une diminution du rythme alpha, et une diminution du voltage électroencéphalographique, et qu'un sujet a même été victime, si je puis dire, d'amnésie, mais ça coïncidait de façon assez, euh, assez surprenante à l'occurrence de, de cyanose, autrement dit d'une désaturation. Quant à l'autre euh, volontaire sain, il pouvait se, ra se, ra se rappeler parfois euh, des détails, euh, parfaitement, pardon, des détails de cette expérience. Et euh, les auteurs ont conclu sur la base de cette analyse qualitative de deux cas que euh, le sulfate de magnésium n'était en aucun cas un médicament d'anesthésie générale et qu'il ne pouvait... Euh, qu'il ne pouvait pas non plus être considéré comme un médicament de l'analgésie lorsqu'il était pris, euh, lorsque son administration était, était réalisée euh, de façon isolée. Euh, cependant, euh, on est vraiment dans l'ère euh, de l'épargne morphinique, probablement plus que jamais, euh, morphiniques qui eux aussi sont apparus dans les années 60 avec le fentanyl en 1960 exactement, euh, dont l'objectif était en fait de faire de l'anesthésie balancée pour non seulement provoquer de la, enfin, permettre une analgésie efficace, mais également diminuer la sympatholise. Et moi, je vous invite à lire cet éditorial qui fait deux pages de Patrice Forger, qui a été publié dans ACCPM en 2019, qui reprend vraiment le contexte de, de ce qu'on appelle l'OFA et de l'intérêt euh, des molécules, euh, notamment des antagonistes des récepteurs NMDA comme la kétamine et le sulfate de magnésium. Donc, la question finalement qui m'est posée aujourd'hui, véritablement, c'est est-ce que l'administration de sulfate de magnésium par voie systémique permet de réduire la douleur postopératoire? Euh, je vous ai mis ici, euh, dans la littérature, les doses qui ont été le plus communé communément utilisées pour son administration intraveineuse. Donc souvent, une première infusion de 30, mais surtout 50 mg kg sur 15 minutes dans 100 ml de sérum physiologique, euh, plus ou moins associée à une administration, à une administration continue euh, subséquente de 10 à 15 mg par kg et par heure, soit pendant la durée de l'intervention, soit de façon encore plus prolongée pendant les 24 premières heures. Et finalement, euh, lorsqu'on regarde les données euh, de cette méta-analyse publiée en 2013, qui euh, comprenait 20 essais randomisés contrôlés, euh, où, où à chaque fois l'administration intraveineuse de sulfate de magnésium était comparée à l'administration euh, d'un placebo, et qui comprenait au total donc, près de 1200 patients. Et lorsqu'on s'intéresse aux échelles de douleurs post-opératoires, vous voyez que euh, finalement le résultat même s'il si est significatif à la 4e et à la 24e heure post-opératoire, est plutôt décevant, puisque ça permet d'économiser un demi-point sur une échelle de douleur allant de 0 à 10. D'ailleurs, j'ai voulu représenter euh, l'émotion que je ressentais à, la lecture, à, à ma lecture personnelle de ces résultats par les émoticônes que vous voyez ici. Donc vous, allez, vous allez voir, il y aura des émoticônes un peu tout le long de, le long de cette présentation, mais finalement, je trouve qu'un demi-point sur 10, c'est sur le plan clinique pas forcément très pertinent. La même chose lorsqu'on s'intéresse à la douleur au mouvement à la 24e heure et bien là euh, une économie statistiquement significative de 0.7 euh, donc encore là je remets encore la pertinence clinique de ce résultat mais par contre un résultat qui est un peu plus intéressant à mon sens euh, qui est une euh, diminution de la consommation morphinique des 24 premières heures post opératoires avec une épargne de 30 mg d'équivalent morphinique par voie orale. Donc, ça, je trouve que c'est un résultat qui, qui, vaut le, qui vaut le coup d'être relevé. Et euh, il n'est pas très étonnant qu'une autre méta-analyse sur le même sujet, sortie la même année dans un journal européen, retrouve sensiblement les, résultats, les mêmes résultats. Cette fois-ci, ce sont 25 essais randomisés contrôlés avec 1400 patients au total. Et vous le voyez avec, encore une fois, des résultats comparables et notamment une épargne morphinique à la 24, 24e heure en équivalent morphinique oral d'environ 23 mg par l'administration du sulfate de magnésium par voie systémique. Donc ne vous étonnez pas s'il y a un peu plus euh, d'essais contrôlés randomisés dans cette méta-analyse-là euh, que la précédente, alors même qu'elles sont sorties la même année, c'est tout simplement parce que Eric Albrecht avait considéré également les chirurgies réalisées sous rachis anesthésie qui bénéficiaient donc de façon randomisée et contrôlée de l'administration de sulfate de magnésium par voie, par voie intraveineuse. Il euh, y a en fait un papier qui est sorti beaucoup plus récemment et qui continue en fait de, de cumuler les études randomisées contrôlées sur ce sujet-là pour un total de 51 études randomisées contrôlées de chirurgie euh, digestive, de chirurgie orthopédique, de neurochirurgie. Euh, réalisé soit sous anesthésie générale, soit sous rachianesthésie, anesthésie, pour un total de 3 300 patients qui ont montré effectivement, à la 24e heure, une épargne morphinique d'environ 15 mg d'équivalent morphinique oral, avec probablement un délai de recours à la prise du premier antalgique qui était repoussé de, de plus de deux heures. Donc, un effet qui est statistiquement significatif, qui paraît pertinent cliniquement, même s'il est, on va le dire, relativement modeste. Le problème, c'est que même si cet effet est positif, euh, ces méta-analyses concluent invariablement au faible niveau d'évidence, euh, surtout à cause de l'hétérogénéité statistique des études euh, qui ont été euh, cumulées euh, dans ces méta-analyses, euh, tout simplement parce qu'il y a différents types de chirurgies qui étaient concernées par, par ces essais randomisés contrôlés, euh, tout simplement parce que les modalités d'administration du sulfate de magnésium par voie intraveineuse étaient variables. On pouvait tantôt n'avoir que le bolus à l'induction, tantôt avoir le débit continu à la seringue électrique en suivant, avec encore une fois des posologies en milligrammes-kilo qui variaient d'une étude à l'autre. Et donc cette hétérogénéité statistique empêche de conclure, en tout cas sur le plan méthodologique, avec force et avec puissance quant à, à l'effet positif. Et donc remet quelque part en cause, euh, d'une certaine façon, la fiabilité de ces résultats. Alors, peut-être que si on s'intéressait à une population chirurgicale bien particulière, et en l'occurrence celle de chirurgie orthopédique, on pourrait, des, on pourrait trouver des résultats un peu plus probants. Euh, donc, là aussi, une méta-analyse réalisée en chirurgie orthopédique euh, de 11 essais randomisés contrôlés reprenant 500 patients au total. Et vous voyez que finalement, les résultats sont plutôt décevants parce qu'en termes de réduction de la douleur post-opératoire et notamment de son intensité, eh bien, il, y a, il y avait 6 essais positifs alors que 5 essais étaient négatifs. Donc, pour moi, clairement, ce résultat, en tout cas sur, sur le plan émotionnel personnel, était plutôt décevant. Euh, le délai de recours aux premiers antalgiques, finalement, euh, n'avait été étudié que dans deux des onze essais randomisés contrôlés. Donc, euh, je, je ne suis pas sûr que ça permette de conclure à ce stade-là. Euh, en ce qui concerne la réduction euh, de la consommation des antalgiques post-opératoires, eh bien, là aussi, les essais sembleraient conclure à un effet positif, mais il y a quand même des essais randomisés contrôlés qui n'arrivent pas à trouver de différence. Et lorsqu'on s'intéresse aux effets secondaires, notamment aux nausées, vomissements, qui sont principalement liés à la prise de morphinique, hein, finalement, euh, mais aussi aux tremblements, eh bien, vous le voyez qu'il faut traiter un certain nombre de patients. Euh, 9 à 10 patients euh, doivent être traités par sulfate de magnésium pour faire l'épargne euh, d'un épisode de nausée ou de vomissement et qu'il faut traiter 5 patients euh, atteints de tremblements pour qu'un patient voit ces tremblements euh, annihilés, annihilés par l'administration de sulfate de magnésium par voie intraveineuse. Euh, cependant, euh, cependant, il y a bien des situations où euh, le sulfate de magnésium peut avoir un intérêt. Et j'aime beaucoup cette étude euh, au design très original qui s'est intéressé aux patients qui bénéficiaient d'une chirurgie séquentielle de prothèse totale de genoux comprenait par là deux chirurgies de PTG, une première chirurgie pour le genou gauche et une deuxième chirurgie pour le genou droit à une semaine d'intervalle. Les auteurs avaient préalablement montré que en fait être opéré euh, de deux genoux à une semaine d'intervalle et eh en fait la première chirurgie provoquait des, un état d'hyperalgésie finalement tertiaire avec des scores de douleur systématiquement plus élevés au décours de la deuxième chirurgie, donc à cause, encore une fois de l'inflammation et de la sensibilisation centrale provoquée par la première chirurgie une semaine auparavant. Et donc les auteurs ont voulu aller plus loin et comparer dans cette indication-là de chirurgie séquentielle de PTG l'administration de sulfate de magnésium par voie intraveineuse, 50 mg kg euh, en, à l'induction donc en 15 minutes, suivi de 15 mg kg heure pendant la durée de l'intervention, et de le comparer de façon randomisée et contrôlée à l'administration de, de sérum salé isotonique. Et toutes ces chirurgies, d'ailleurs, étaient réalisées euh, sous anesthésie euh, qui comprenait l'administration intratécale de bupivacaïne et de fentanyl. Et euh, il est intéressant de noter que le régime d'analgésie multi multimodale était, était, euh, était assez, assez complet, assez global, et comprenait notamment euh, le bloc euh, nerveux-fémoral, enfin, le cathéter nerveux-fémoral, donc l'administration continue d'anesthésie locaux euh, sur le nerf fémoral euh, en post-opératoire. Euh, de l'infiltration euh, intra-articulaire par les anesthésiques locaux euh, en suivant les règles de bonne pratique, c'est-à-dire avec de grands volumes, et euh, un régime euh, d'analgésie par voie intraveineuse d'abord, puis par voie orale qui était euh, global et complet, qui comprenait notamment le paracétamol, les AINS et de la morphine. Et bien, Les résultats sont intéressants parce qu'effectivement, ils ont d'abord confirmé ce qu'ils avaient trouvé dans une première étude. Et oui, euh, dans le groupe contrôle, la douleur post-opératoire et la consommation dentalgique est systématiquement plus élevée pour la deuxième chirurgie du genou que pour la première. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que l'administration par voie intraveineuse de sulfate de magnésium permet de diminuer euh, la douleur post-opératoire des deux chirurgies pour finalement ramener le niveau de douleur post-opératoire de la deuxième chirurgie à, à un niveau qui était équivalent à celui de la, de la première. Donc il y a bien des situations, lorsqu'il lorsqu y a finalement, j'allais dire, un besoin clinique, donc, il y a des situations où le sulfate de magnésium peut être intéressant et peut provoquer euh, des bénéfices euh, antalgiques euh, marqués. Et finalement, euh, ça me permet de vous parler de ce livre blanc de la douleur qui a été euh, rédigé sous l'égide de la SFAR et de la SFETD. Et euh, il faut féliciter tous les collaborateurs et notamment tous les membres du comité douleur ALR de la SFAR, qui ont, mais pas seulement, hein, aussi des chirurgiens et des physiologistes. De la douleur qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage sous la direction du professeur Valéria Martinez et du docteur Axel Morizzo-Amburski. Un travail qui, je trouve, est assez, est assez remarquable, qui comprend notamment euh, une vingtaine de fiches pratiques euh, qui, euh, qui, finalement, sont des trucs et astuces pour bien évaluer euh, la douleur et notamment le risque de chronicisation. Et la première fiche, elle concerne justement l'évaluation préopératoire des patients à risque de douleur post-op. Et il faut pouvoir, dès la consultation d'anesthésie, identifier euh, les malades à risque, c'est-à-dire les malades qui ont déjà une douleur préopératoire, donc à l'état basal, les malades qui consomment des opiacés au cours, des malades qui vont bénéficier d'une chirurgie douloureuse ou pronocyceptive, tels que les malades qui sont opérés de chirurgie orthopétique, notamment de, de prothèse totale de genoux, les malades amputés, par exemple, les malades qui doivent bénéficier d'une thoracotomie ou d'une chirurgie mammaire, euh, les malades dont la durée de chirurgie est, 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 est attendu pour être prolongé et en tout cas du, durer plus de trois plus de heures. Et les patients qui sont euh, finalement euh, anxieux ou qui ont des symptômes compatibles avec euh, la maladie dépressive en préopératoire, qui sont donc des patients à risque de douleur postopératoire intense. Et c'est probablement cette population-là, euh, bien sélectionnée, qui pourrait bénéficier d'une stratégie d'analgésie multimodale englobant euh, le sulfate de magnésium. Et encore une fois, je vous invite dès la consultation d'anesthésie à utiliser les échelles validées dans la littérature permettant non seulement de caractériser la douleur, euh, notamment si, si, la, si la, une composante neuropathique existe, et de la caractériser et de la, et de la, de la quantifier en, en préopératoire. J'ai voulu aller plus loin avec, euh, en traitant ce sujet et j'ai voulu aussi m'intéresser à l'administration de sulfate de magnésium en adjonction des anesthésiques locaux et en anesthésie locorégionale euh, nerveuse périphérique. Et là, je vous ai mis la dose qui est la plus communément utilisée de sulfate de magnésium en adjonction des anesthésiques locaux, donc en périnerveux. C'est la, la dose dans, de 450 mg. Euh, ça vous paraît étrange, 450 mg, mais lorsqu'on est doté, comme nous au CHU de Toulouse, de sulfate de magnésium à 15%, eh bien, en fait, ça représente tout simplement la co-administration de 3 ml de sulfate de magnésium aux anesthésiques locaux. Et euh, là aussi, une méta-analyse récente s'est intéressée à ce sujet-là et a permis euh, de colliger les données de 25, 21 essais randomisés contrôlés sur euh, un peu plus de 1300 patients. Et vous voyez que la durée euh, du bloc sensitif était plutôt prolongée euh, par rapport à l'administration des de sérums salés isotoniques en adjonction euh, périnorale. Euh, presque deux heures de plus euh, de, de durée de, de bloc sensitif, avec finalement des scores de douleur euh, à la sixième heure post-opératoire et à la douzième heure post-opératoire, qui était sensiblement plus faible, en tout cas statistiquement plus faible, dans le groupe de patients qui avaient reçu une anesthésie locorégionale avec administration de sulfate de magnésium périneural. Euh, ces effets bénéfiques sur les scores de douleur n'existent plus à la 24e heure post-opératoire. Et c'est intéressant de noter que dans les premières heures post-op, il pourrait y avoir un bénéfice. Euh, ceci dit, euh, les, ces, ces, ces résultats sont un peu à modérer puisque... Dans ces 21, 21 essais randomisés contrôlés, euh, parfois l'anesthésique locale utilisée était la lidocaïne. Et j'ai du mal encore à, à comprendre pourquoi on associe euh, des, des adjuvants aux anesthésiques locaux pour prolonger la durée du bloc lorsqu'on utilise de la, de la lidocaïne. Et c'est pour ça qu'il faut euh, encore une fois savoir critiquer les, chacune des études euh, incluses dans ces méta-analyses. Euh, là aussi, j'aimerais vous parler d'un essai randomisé contrôlé qui a été publié récemment par une équipe canadienne euh, qui ne fait pas partie de la méta-analyse précédente tout simplement parce que le papier est sorti euh, après la publication de la méta-analyse, qui est donc un essai randomisé contrôlé qui s'intéressait aux patients euh, opérés de chirurgie de prothèse totale du genou sous à anesthésie avec l'administration intratécale de 100 microgrammes de morphine et euh, un régime, là aussi, euh, d'analgésie euh, multimodale qui était très bien codifié et qui comprenait notamment l'infiltration intra-articulaire avec de grands volumes d'anesthésiques locaux. Les patients de cette étude ont été randomisés en trois groupes. Euh, certains recevaient un bloc au canal des adducteurs euh, avec du sérum salisotonique, c'est ce qu'on appelle un sham bloc ou un fake bloc. Euh, d'autres recevaient un bloc au canal des adducteurs réalisé à la ropivacaine seule. Et d'autres, enfin, euh, euh, bénéficier euh, d'un euh, bloc canal adducteur réalisé avec de la ropivacaine et avec du sulfate de magnésium en, en adjonction périnorale. Eh bien, vous voyez que sur tous les critères de jugement, que ce soit le délai de recours aux antalgiques, que ce soit les scores de douleur à la 24e heure post-opératoire, que ce soit la consommation de morphinique à la 24e heure post-opératoire, ou alors même que ce soit la satisfaction des patients, parce que c'est bien ça dont il s'agit, eh il n'y avait aucune différence entre les trois groupes ce qui sous-entend, ce qui sous, enfin ce, qui sous non, ce qui dit clairement d'ailleurs que ben, l'adjonction périneurale de sulfate de magnésium n'avait pas d'intérêt, mais ce qui dit aussi que euh, finalement, euh, ce qui remet en cause l'utilité enfin, d'un bloc aux canal adducteurs dans cette indication-là, euh, puisque finalement, euh, le bloc aux canal adducteurs ne faisait pas mieux que, à euh, la ropivacaine, ne faisait pas mieux que le bloc aux cannels adducteurs réalisé au sérum physiologique. Et j'interprète les, les résultats de la façon suivante, c'est que lorsque vous réalisez une... PTG, sous-raché anesthésie, avec que vous rajoutez de la morphine intratécale et que vous avez un régime d'analgésie multimodale qui est plutôt bien mené, eh bien effectivement les bénéfices antalgiques d'un du, bloc au canal des adducteurs eh bien, en fait, sont faibles, sont, sont très faibles. C'est probablement lié à l'utilisation de la morphine intratécale qui, qui est réputée pour avoir une durée d'action d'environ 24 heures. C est, c est, c est, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire à la morphine intratécale, hein. d'ailleurs on ne le recommande pas en systématique, mais en tout cas dans cette étude-là, le résultat négatif est probablement lié à ça. Euh, et finalement, je, mon discours, si je devais euh, me rapporter aux recommandations formalisées d'experts qui avaient été éditées par l'ASFAR en 2016 sur l'utilisation euh, d'adjuvants euh, en ALR et notamment du sulfate de magnésium, et eh bien effectivement, du fait de l'absence de bénéfices cliniques significatifs en termes de durée ou d'efficacité, et surtout parce qu'il nous manque encore des données, je pense, de neurotoxicité euh, évaluée in vivo. Eh bien, je, je resterai sur cette recommandation éditée par l'ASFAR en 2016 et je ne vous propose pas euh, d'utiliser le sulfate de magnésium en adjonction périnorale. Euh, Sachez-le, le sulfate de magnésium a été aussi proposé en, en adjonction des anesthésies neuraxiales, comprenez anesthésie péridurale et, et rachie anesthésie, avec cette fois-ci une, mani-, une administration, qu'elle soit intratécale ou qu'elle soit par voie péridurale, de 50 mg. Euh, lors de la première injection, avec pour les patients qui bénéficiaient de l'administration de sulfate de magnésium en anesthésie péridurale, une infusion continue éventuelle de 10 mg heure en plus de, cette de ce premier bolus. Là aussi, il existe deux euh, méta-analyses récentes sur l'utilisation du sulfate de magnésium en administration péridurale, notamment en chirurgie, euh, en chirurgie euh, des membres inférieurs ou même en chirurgie abdominale. Et bien, effectivement, il semblerait que l'utilisation de sulfate de magnésium permet de reculer euh, le délai de, la, de, de première prise des antalgiques de 1 à 2 heures environ avec encore une fois un très, un très bas euh, niveau d'évidence encore lié cette fois-ci à l'hétérogénéité la, à la, à la statistique euh, des études euh, incluses dans ces méta-analyses. En ce qui concerne euh, l'administration dans la rachianesthésie anesthésie du sulfate de magnésium, là aussi, euh, une somme de 10 essais randomisés contrôlés comprenant 700, 700 patients pardon, publiés récemment qui montrent que euh, l'administration de sulfate de magnésium par voie intratécale permettrait de retarder la première prise dentalgique euh, d'environ 20%. Euh, je m'étais promis de ne pas vous montrer de forest plot qui sont ces euh, graphiques qu'on observe habituellement lorsqu'on décrit les méta-analyses et vous voyez que. Euh, sur ce critère de jugement-là, c'est-à-dire le délai de recours euh, aux antalgiques, eh antalgiques, les 10 études randomisées contrôlées vont toutes dans le même sens. Ce sont toutes des études positives, ce qui explique euh, le bénéfice statistiquement significatif sur la prolongation de l'effet antalgique. J'attire votre attention encore une fois sur l'hétérogénéité dont je vous parle depuis le début, qui est symbolisée par le i au carré que vous voyez ici. On a une hétérogénéité qui est largement au-dessus des 50%, donc une hétérogénéité élevée qui euh, empêche de conclure avec un bon niveau d'évidence, un bon niveau de preuve. Et finalement, en administration euh, noraxiale, j'irai, enfin, je vous invite à la prudence. Et c'est ce que fait aussi euh, Patel dans cet article, c'est ce très joli article publié le mois dernier dans le dans le BJA, qui en fait a rapporté, a colligé les sept erreurs d'administration. Euh, noraxiale de sulfate de magnésium probablement lié au fait qu'il existe une large variété euh, de concentrations euh, de sulfate de magnésium dans les ampoules euh, qu'il existe des ampoules euh, où la concentration de sulfate de magnésium est à 5%, 10%, 15%, je vous en ai parlé, c'est ce que nous avons au CHU2, c'est ce que nous utilisons ici euh, 20% ou 50% et ce qui explique donc parfois les erreurs qui sont les erreurs assez grossières puisque euh, l'administration a parfois été en intratécale d'un gramme 5, au lieu des 50 mg euh, euh, habituellement utilisés, donc une, une, erreur, une erreur réalisée avec un facteur euh, 30, ou alors l'administration par voie péridurale de 9 g de sulfate de magnésium sur une heure. Et on comprend pourquoi certains patients ont eu des conséquences neurologiques euh, prolongées, à type de paraplégie, qui ont duré plusieurs heures, même jusqu'à la 24e heure, qui ont à chaque fois été réversibles, et pourquoi euh, une patiente a dû être. Intubé, ventilé euh, pendant plusieurs heures euh, et à bénéficier de trois jours d'hospitalisation en soins intensifs, probablement parce qu'on se retrouvait finalement face à, à ce qu'on pourrait appeler une, une, une rachie totale. Et c'est vrai que le profil de sécurité euh, de l'administration du sulfate de magnésium par voie noraxiale reste clairement encore euh, à déterminer. Et euh, pour continuer sur, sur, ce, sur ce principe de la, de la précaution, de la vigilance, J'aimerais ici vous rappeler euh, les contre-indications de l'administration systémique de sulfate de magnésium. Si vous avez une maladie cardiaque, on va dire instable, eh bien, euh, prudence avec l'utilisation du sulfate de magnésium. Si vous avez une insuffisance rénale sévère, là aussi il faut se méfier, puisque, encore une fois, euh, l'élimination est principalement rénale. Lorsque les patients euh, prennent déjà des inhibiteurs calciques, euh, au risque de diminuer euh, trop fortement avec la co-administration de sulfate de magnésium, la quantité de calcium euh, contenue euh, en intracellulaire. Attention aux maladies neuromusculaires. Euh, le docteur Tissot, qui est un de mes collègues, me rappelait récemment que le sulfate de magnésium était contre-indiqué euh, dans les myasthénies. Et ce qui incite finalement à une certaine vigilance quand on utilise euh, le sulfate de magnésium chez les patients curarisés. C'est tout à fait possible, hein, mais ça encourage encore à monitorer la curarisation euh, chez ces malades-là. En conclusion, euh, donc oui sur les effets pharmacologiques bénéfiques du sulfate de magnésium. Sur la douleur, sur les mécanismes de la douleur inflammatoire et sur sa chronicisation, notamment par euh, un effet naturel, direct, euh, d'inhibiteur des canaux calciques et donc de, de la rentrée euh, intracellulaire de, de calcium, mais également par un, par un, un mécanisme antagoniste non compétitif volta, voltage dépendant des récepteurs NMDA, donc ce qui permet d'inhibir finalement, la sensibilisation centrale. Donc, Sur l'administration systémique de sulfate de magnésium, eh bien, oui, efficace, mais finalement, la, la taille de l'effet pourrait être modeste. Euh, et je pense, c'est mon avis, que euh, cette efficacité devrait être étudiée sur une population bien sélectionnée de patients qui sont à risque de douleurs post-opératoires intenses et de douleurs chroniques post-chirurgicales, toujours en considérant les critères d'exclusion, les contre-indications. Euh, cependant, des études dose-réponse sont encore nécessaires pour savoir si une administration, par exemple, euh, unique euh, à l'induction pourrait suffire par rapport à une administration prolongée par voie, par voie intraveineuse à, à la seringue électrique. En ce qui concerne euh, l'adjonction de sulfate de magnésium aux anesthésiques locaux, que ce soit par voie périnorale, périphériques ou par voie noraxiale, eh bien là nous nous trouvons face à un, un faible niveau d'évidence qui empêche encore à l'heure actuelle de recommander son administration euh, euh, en adjonction euh, norale. Et d'autres études, quoi qu'il en soit, sont nécessaires pour euh, définitivement conclure sur cette thématique du sulfate de magnésium en analgésie périopératoire. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Ce que je peux vous redire, c'est que, euh, effectivement, l'utilisation du sulfate de magnésium par voie systémique euh, est prometteur. Euh, il, je, je pense qu'il il faudrait euh, des études random, une étude randomisée, contrôlée, multicentrique, de grande ampleur, un peu à l'échelle de ce qu'avait fait le professeur Alain Belleuil avec le, l'essai POFA, pour démontrer un bénéfice antalgique dans une population de patients bien sélectionnés. Ce qui est dommage finalement avec le sulfate de magnésium, c'est que euh, les, les, effets sont, les effets sont positifs. Euh, la taille de l'effet est modeste. Mais il faudrait donc une étude méthodologiquement ultra rigoureuse, euh, randomisée, contrôlée, multicentrique, dans une population de patients bien sélectionnés. Je disais un peu à l'image de ce qu'a fait professeur Alain Belleuil avec l'étude POFA, pour euh, finalement pouvoir définive, définitivement statuer et encourager l'utilisation plus large de sulfate de magnésium. Moi, personnellement, mon, mon utilisation de, ce, de sulfate de magnésium par voie systémique, elle est encore occasionnelle, voire rare. Et euh, c'est plutôt en, en traitement curatif de douleurs post-opératoires qu'en traitement préemptif que je l'utilise. Euh, et j'ai l'exemple de, euh, de patients particulièrement difficiles à traiter, euh, et je pense aux patients euh, toxicomanes. Euh, où là, les, les effets du sulfate de magnésium peuvent avoir, uh, pourraient avoir un intérêt. Euh, Alors, voilà. En pratique, tu, tu, donc, as, toi, tu le réserves manifestement pour, pour des situations très à risque de douleur post-opératoire. Comme tu l'as dit, tu le sélectionnes le, sous le patient en préopératoire. Euh, de, de, de plus en plus, ça fait partie effectivement de la stratégie d'épargne en, en opiacé. C'est quelque chose qui est quand même un élément, même s'il si y a beaucoup d'hétérogénéité. Et je, je te rejoins sur le. Les méta-analyses qui regroupent des études très anciennes avec des méthodologies très différentes, même si Albrecht dit qu'il y a 23 mg de, morphine, de, de, de réduction morphinique à H24, on est quand même sur des hétérogénéités et majeures et surtout il n'y a pas de méta-régression, il n'y a pas d'analyse de sensibilité souvent, alors que pourtant, parce qu'ils ne peuvent pas le faire en fait, parce que les méthodologiquement ce n'est pas possible. Euh, je vais juste lancer un peu. J'ai eu les questions, donc je vais lancer les questions que, qui ont <laughs> été envoyées, euh, qui ont été adressées. Euh, Juste une chose, c'est que euh, beaucoup Il y en a qui ont, qui ont posé deux questions, il y a deux, deux intervenants concernant ont posé deux questions. Sulfate ou chlorure de magnésium Sulfate. Parce qu'en fait, on parle de sulfate, mais parce que oui. pourquoi est-ce que certains disent le, le, le chlorure, pourquoi je ne l'utiliserai pas Mais là-dessus, il y a la méthodologie. C'est ce que tu, tu peux revenir un peu là-dessus ou par rapport à ce que tu disais mais euh, Finalement, alors, je, 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 je t'avoue que je ne sais pas bien. Euh, la littérature s'intéresse au sulfate de magnésium. Hein, C'est euh, ouais. clair. Euh, lorsque tu fais la recherche PubMed, euh, tu, tu toutes les études randomisées contrôlées elles ont eu, étudié l'administration de sulfate de magnésium donc qui permet mmh. d'avoir l'élément magnésium euh, je t'avoue que le chlorure de magnésium ça ne me parle pas. Non parce okay. qu'en plus on est la même dissociation ionique en fait que le sulfate de magnésium et on n'a pas la même si tu veux la même euh, pénétration le rôle avec le le récepteur NMDA on n'a pas la même chose sur, en termes d'équilibre sur le pKa etc donc probablement que c'est un effet sur le sulfate de magnésium par ailleurs le sulfate avait une histoire sur la neuroprotection Mmh. Sur euh, les effets, euh, sur les troubles du rythme hein, qui sont authentifiés, bien, hein, bien évidemment, bien bien comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Mmh. Et donc, euh, c'est pour ça que, de manière tout à fait logique, ça a été, ça a été proposé, utilisé, et la seule utilisée. Euh, tu parlais de la méthodologie tu disais 3 ou 4 grammes sur 15 minutes, c'est ça, tu disais, sauf si on choisit de le faire avec un bolus sur un, un quart d'heure. Est-ce qu'il faut systématiquement un entretien derrière ou, ou, ou pas Voilà. Alors. Mon avis, donc effectivement, la, la dose la plus communément utilisée dans la littérature, c'est 50 mg kg. Donc en pratique, pour quelqu'un qui fait 60 kg, ça représente 3 g de sulfate de magnésium, et je trouve ça assez facile, puisque quand on a du sulfate à 15%, euh, en fait, ça permet d'administrer euh, deux ampoules. Donc comme ça, c'est très, très, très simple. Et oui, pour l'administration, l'infusion à l'induction. Et finalement, je t'avoue euh, que j'ai... Du mal à comprendre encore le rationnel d'une administration continue en suivant l'administration en bolus. Euh, par exemple, hein, euh, lorsque tu administres 2 grammes de sulfate de magnésium, tu sais déjà que tu as couvert les besoins journaliers. Et tu sais aussi que ton taux de magnésium sérique va augmenter euh, dans le sang pour, at pour atteindre euh, des, des, des valeurs qui se trouvent, des concentrations qui se trouvent au niveau de la, de, du seuil supérieur et parfois même qui le dépassent. Euh, parce que, tu t'en doutes, hein, dans les études, la magnésémie a régulièrement été dosée. Donc, euh, l'administration continue, je, 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 je n'en vois pas forcément le rationnel, mais là aussi, euh, on manque de données euh, sur cet euh, item-là, euh, administration en injection unique, en, 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 à l'induction versus co-administration à l'induction et en entretien à la seringue électrique, ça mériterait d'être étudié. Euh, c'est ce que je disais en conclusion, c'est que les, eff, les études... Euh, avec des effets dose-réponse n'ont pas été réalisés ou pas suffisamment et ne permettent pas de conclure là-dessus. Et surtout, en plus, l'association la, 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 à une curialisation. Euh, voilà, si tu files le 30 continue continu après, tu peux te soulever, comme tu l'évoquais, avec un blocage neuromusculaire musculaire prolongé qui va mmh. malheureusement impacter sur le, le, la salle de réveil, le séjour en salle de réveil, l'extubation, etc. etc. Euh, donc, tu as parlé d'une ascension chronique qui était une limite et effectivement, à son utilisation, on est d'accord, une grande cardiopathie évoluée. Euh, en périnorale, moi, je suis toujours gêné par le... Tu l'as évoqué aussi, mais il y a une voix. malheureusement, on te dit que c'est un adjuvant qui ressent finalement un peu ce qu'on a avec les corticoïdes, un petit peu moins quand même que les corticoïdes, mais euh, on ne parle jamais de la, de la part de la résorption, en fait, du produit, parce que euh, s'il n'y a pas un groupe qui reçoit en même temps du sulfate de magnésium par voie intraveineuse, qu'en même temps, d'un groupe qui a l'ALC, la l, l en périnorale et l plus de la, de la, de la, le, le sulfate... Vous savez ce que je veux dire Trois goûts. On n'a jamais ces trucs-là. On n'a jamais oui. ça. Et probablement que la part de la résorption n'est est pas négligeable dans l'effet de l'ALR, vu, vu les, finalement le peu de gains que tu as en injection unique avec le, le, le sulfate. Oui, je suis d'accord. Et en fait, c'est exactement ça. On ne connaît pas le mécanisme euh, de la prolongation de, de l'effet des anesthésiques locaux. Est-ce que c'est un mécanisme direct au local ou est-ce que c'est un mécanisme systémique par résorption on ne, on ne sait pas. Euh, c'est vrai que euh, plus une heure ou deux euh, de bloc sensitif ou de durée d'analgésie... Euh, dans des études qui sont euh, là encore assez hétérogènes et qui parfois utilisent de la lidocaïne, je trouve que l'effet le, euh, n'est pas suffisant. Arrive. Pour mémoire, hein, avec la dexaméthasone par voie systémique, on a, on a euh, plusieurs heures de prolongation de la durée d'action, euh, peut-être même euh, encore quelques heures de plus ou deux heures de plus avec l'administration périnorale. Euh, mais c'est vrai que le sulfate de magnésium, là-dessus, sur la durée d'action, c'est… Ça, en ouais, fait, ça n'encourage est... pas son utilisation. Voilà, le, le gain est ouais. faible. Et puis, tu l'as évoqué aussi en intratécale. Attention, en intratécale, euh, la dangerosité du produit n'est pas négligeable euh, sous l'erreur le, 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 toxique, l'erreur de dose et la dilution, parce qu'une poule de, de 10 ml, euh, c'est toujours très difficile de doser dans une petite seringue pour administrer intratécal Je ne suis pas certain que le, gain en, le jeu envahit la chandelle sous le plan euh, euh, analgésique. Euh, je suis d'accord voilà. avec toi sur l'administration intratécale. Les erreurs, on, on, voilà, je, je pense oui. les avoir clairement expliquées sur les, les problèmes de, de, de disponibilité de différentes concentrations. Euh, mais aussi euh, des données animales alors, qui sont contradictoires. Hein. Certaines montrent un effet, euh, euh, pas d'effet, mais d'autres montrent un effet négatif, notamment sur euh, euh, la corne postérieure de la moelle et les couches euh, de la laminate 5 à 7 au niveau du cordon médulaire avec une, une relative toxicité à cet endroit-là lorsque chez le lapin, on administrait euh, de, du sulfate de magnésium en intratécale, mais de façon répétée. Voilà. Bon, C'est bon, difficile de conclure sur la base de, 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 de cette étude animale, mais euh, je, je trouve encore que dans, en administration euh, locale, j'allais dire que ça soit intratécale, euh, péridurale ou nerveuse périphérique, il euh, n'y a pas beaucoup de données sur la toxicité éventuelle. Euh, alors certes, ce n'est qu'un ion, hein, ce n'est qu'un cation, mais euh, c la, la, cette, cette co-administration avec des anesthésiques locaux pourrait modifier euh, les anesthésiques locaux et, et, et qui, eux, sont connus pour être toxiques. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des, des principales questions. Il y avait une question aussi sur l'utilisation. Alors chez le Sujet âgé, tu l'as dit, faire attention peut-être, il y a un âge où est-ce qu'il faut réduire les doses euh, C'est peut-être la dernière question que je te poserai éventuellement. Ouais. Euh, dans, la, dans les études, en fait, je me, tu sais, sur les contre-indications, je me suis beaucoup basé sur les critères d'exclusion euh, des essais randomisés contrôlés. Et euh, pour finalement faire un pêle-mêle et vous ouais. proposer les contre-indications que je vous, je vous ai mis là, l'âge n'était pas forcément un critère d'exclusion. Je crois qu'il faut surtout se méfier quand euh, l'âge est intrinsèquement associé à de l'insuffisance rénale, à des cardiopathies instables des choses comme ça. Ouais, et en oui, soi, l'âge, je, je ne pense pas. Très bien. Bon, écoutez, on a fait un un, un, tour, un panorama très large. On a couvert vraiment le, le, le sujet qui n'était pas facile parce que c'est en fait, on s'approprie un, 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 un produit qui a une marge thérapeutique qui finalement est assez importante euh, par voie intraveineuse. Là, on va parler surtout de la partie là pour, pour la, le résumer par voie systémique. Euh, en pratique quotidienne, bon, nous personnellement, enfin, je vous dis dans, dans notre pratique, nous on regarde pour les chirurgies modérément douloureuses à fortement douloureuses, euh, à l'induction, on ne fait pas d'entretien de, et on, on, on regarde ça aussi en rescue en salle de réveil à ceux qui n'ont pas eu en père opératoire, bien évidemment, euh, dans le cas d'une titration morphinique difficile, voire euh, où on est gêné par des effets secondaires potentiels ou qu'il n'y a pas d'ALR institué. On ne l'utilise pas en intratécal ni en périnerveux. Donc, ça, c'est notre pratique. Et notre pratique, c'est habituellement pour un adulte c'est 3 grammes. On simplifie les choses. Nous, on les ampoules à 10 Donc, on fait du 3 grammes, quelquefois 4 dans certaines situations, associé à d'autres médicaments. Donc, on a une marge thérapeutique élevée, on a une difficulté à s'approprier les messages et méta méta-analyses, comme très souvent d'ailleurs dans notre métier, euh, parce qu'elles parce qu souffrent de nombreuses limites. Euh, mais en tout cas, tu les as bien évoquées. Attention, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut le, ne pas l'utiliser dans les situations que tu l'as évoquées. Et attention, les, le livre blanc a bien spécifié ça de la douleur. C'est à la consultation d'anesthésie que les choses se jouent. Elle se joue à plus de 50 C'est le contrat que vous allez passer avec le patient, que vous allez passer sur la qualité. Elle passe sous la sélection des produits que vous allez utiliser, et c'est déjà l'identification des problèmes à la consultation qui vont vous donner des solutions. Donc, ne pas négliger cette partie. Tu l'as dit, dit, au début de ton topo, et j'étais très content de l'entendre parce que c'est fondamental sur la gestion de, no de notre pratique. Et donc, le suffa de magnésium en fait partie. C'est pas la magic bullet, hein, c'est pas un truc qui va sauver tout le monde. Hein, on peu, en tout cas, il faut l'utiliser comme ça, euh, avec, avec efficacité, à respecter les contre-indications, bien sûr, détailler tout ça. Euh, donc, on a une utilisation potentielle. Ce n'est pas quelque chose de dangereux au sens propre, mais qui doit être encore utilisé avec réflexion et dans le cas d'une analgésie multimodale euh, chez les patients, que ce soit en ambulatoire d'ailleurs ou que ce soit en chirurgie programmée, enfin en tout cas avec hospitalisation conventionnelle. La dernière question que j'avais eue, c'était en chirurgie abdominale lourde. Bah, en fait, on rejoint ce qu'on a utilisé. Dès qu'on peut utiliser quelque chose qui, où on évite des opiacés et qui est associé à une ALR, par exemple ou pas d'ailleurs. On a un élément de pertinent d'utilisation. De, voilà, tu es d'accord avec moi pour la chirurgie abdominale ou thoracique, ou thoracique. Je suis tout à fait d'accord et 100% d'accord avec tous les messages que tu viens de dire. Je trouve que tu as, ouais. as résumé en quelques phrases, en quelques mots, euh, la pratique qu'il faut avoir du sulfate de magnésium par voie systémique. Et une dernière chose, le suivant de magnésium, malheureusement, ne réduit pas le risque de troubles du rythme auriculaire type euh, fibrillation atriale après chirurgie thoracique, même si ça avait été évoqué un peu euh, dans d'autres situations. Voilà, merci. Euh, merci beaucoup, Fabrice, euh, de, pour cette présentation. De sujets. Euh, cette vidéo sera évidemment visible en replay euh, très rapidement sur le, le site de l'ASPAR. Euh, je vous invite à, 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 à la prochaine euh, réunion qui, euh, qui aura lieu au mois de mars, début mars, dans un mois pile poil. Ce sera sur l'anaphylaxie, un sujet tout à fait différent mais aussi tout à fait euh, prégnant. Merci Fabrice, merci à toutes et à tous et merci aussi à la Régie euh, qui était présente à la SPAR, euh, parce que nous étions, vous avez bien vu que nous n'étions pas sur les locaux de la SPAR euh, étant donné les, les, les problèmes de transport d'aujourd'hui. Merci Fabrice, merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci tous. Christophe, merci à tous et à toutes. Au revoir.